Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous montrer comment créer une web radio avec Radionomy. Donc, c'est très simple. Après, en changeant votre lecteur de base qui devrait être ça. Voilà. Et puis, ben, moi, je vais vous le rechanger. Donc, en un autre lecteur, en un lecteur encore mieux. Voilà, c'est celui-ci. Vous voyez, s'il est quand même mieux, il est moins grand, il prend moins de place. Puis, moi, je préfère celui-là. Après, vous n'êtes pas obligé de le changer. Donc déjà, on se rend sur le site http://radionomy.com et vous suivrez bien ce que je fais. Donc en même temps, je vais commenter. Donc voilà, les liens seront dispo dans la description. Enfin bref. Donc là, déjà, vous inscrivez, etc. Ben, voilà, moi, je suis déjà inscrit. Mais je me réinscris avec un autre compte. Mais pour les trucs de radio, je ferai avec mon compte actuel de YouTube Radio. Voilà. Donc là, je suis en train, voilà, vous inscrivez. Ensuite, vous cliquerez voilà, sur créer une nouvelle radio en bas à droite sur la truc. Donc voilà, ensuite, un mail vous a été envoyé. Donc il faut que vous le confirmiez en allant dans votre boîte mail. Voilà, donc il s'est foutu dans vos courriers indésirables. Pardon. Voilà, donc vous activez, voilà, parfait. Donc, c'est impeccable. Voilà, vous vous rendez là, vous créez une nouvelle radio. Donc, c'est un peu le but. Hein. Voilà. Ensuite, vous choisissez une image. Bah, ça, vous pouvez le faire un petit peu plus tard après. Vous pouvez le faire direct. Voilà. Bon, voilà. Je prends une image vite fait. Voilà. Bon, ça vite fait vraiment pour aller vite. Ensuite, vous retaperez, vous mettrez vos noms, votre prénom, votre adresse, enfin, je sais pas, tout ça. Puis le captcha. Et puis voilà. Donc, vous téléchargerez le Radio Manager. Excusez-moi, le Radio Manager. Moi, il est déjà installé, donc j'ai pas besoin de le télécharger, mais il est assez loin à s'ouvrir. Sur mon ordi, voilà. Donc en même temps, voilà. Ensuite, alors là, vous ne vous en occupez pas de ce que s'écrit là, car vous tomberez pas sur cette page normalement tout de suite, il me semble. Voilà, vous tomberez sur. Attendez. Voilà. Vous devriez tomber, voilà, là-dessus directement. Donc moi, je mets mes identifiants. Donc voilà. On va attendre qu'il charge. Voilà, donc là j'ai perdu un petit peu mes identifiants. Attendez, je recherche. Bah, je remets sur YouTube Radio, donc hein, comme ça on se rappelle, je serai tranquille. Voilà. Hop. Voilà. Et là, vous sélectionnerez votre radio, donc le nom que vous avez créé. Voilà. Et là, vous cliquerez sur Fichier et Flux et Podcast, éléments musicaux, là, tout le monde chat. Voilà. Non, là, voilà. Flux et. Voilà. Non. Et là, vous sélectionnerez donc, dans la petite case Importer, vous sélectionnerez vos types de musique. Moi, j'ai mis Hit News, etc. Donc, après, là, vous choisirez vos trucs. Puis, voilà. Donc là, on va attendre un petit peu que ça charge. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire ça comme ça. Voilà. Ma connexion service a pris un peu de temps, donc j'ai dû couper un petit peu. Voilà, je vous dis. Voilà. Ensuite, voilà, connexion service, phare, voilà. Voilà, ensuite, vous avez plein de box, voilà, ici, que vous pouvez modifier, vous cliquez dedans, voilà. Vous cliquez, voilà, ça s'ouvre. Les musiques qui ne vous plaisent pas, bien, vous pouvez les supprimer, vous les sélectionnez, puis vous les désupprimez, voilà, oui. Voilà, mais vous avez tout plein de... Ensuite, vous cliquez sur... Voilà, vous voyez, vous avez plein de box, voilà, je compte un petit peu, voilà, c'est trié, news, machin, c'est super bien, ça. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'ajouter une musique. Ensuite, vous cliquez sur Clock et Playlist.
Et ensuite, vous cliquez là, ici, voilà. Et vous mettez en nom clock 1. Donc, il fallait cliquer sur ajouter. Vous choisissez une couleur, c'est ce que je choisissais. Et ensuite, vous déplacez chaque petit élément à droite, là, comme je fais, voilà. Un de chaque, voilà. Pas 56, pas 50. Donc, c'est un conseil. C'est après, si vous avez envie de vos musiques, ça va être simple. Ensuite, vous cliquez sur Date Template, ensuite sur le petit dossier, sur Ajouter. Voilà, et là, vous déplacez dans le bon ordre, voilà, du début vraiment jusqu'à la fin, parce qu'après, ça peut poser des problèmes. Donc, vous faites du haut en bas correctement en déplaçant Clock 1. Donc, normalement, si vous l'avez nommé Clock 1 ou autre chose, vous le déplacez dans chaque truc, mais pas dans Podcast. Surtout pas, vous le mettez dans l'autre colonne. Voilà. N'oubliez pas de descendre, voilà, il reste une colonne. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur planification, donc vous cliquez sur le jour qu'on est, donc aujourd'hui, on était, voilà, donc, hop. Ensuite, vous déplacez date template dans chaque jour, pareil, vous faites pareil. Ça, c'est histoire de planifier votre radio pour que quand vous soyez absent, elle fonctionne toujours, donc voilà, bon, je vais la mettre jusqu'au 2-3 juin, je pense. Voilà, ça me suffira. Ensuite, vous cliquez sur génération, donc déjà, il faut, voilà, vous mettez là, et voilà, là j'ai cliqué sur génération du planning, donc il faut attendre que le planning se génère, voilà, ce sera un petit peu long, je pense, donc, excusez-moi, voilà, j'ai mis un petit pause, comme ça au moins vous avez pas besoin, voilà. Voilà, donc les date templates qui sont en jaune, vous les sélectionnez en restant appuyé sur CTRL et vous cliquez. Donc vous appuyez sur la touche CTRL de votre clavier, donc vous restez appuyé dessus. Et ensuite vous cliquez sur date template, donc sur ceux qui ne fonctionnent pas. Donc là vous attendez qu'ils génèrent. Donc voilà, c'est long, voilà. C'est long, n'est-ce pas? Voilà, après, elle devient bleue normalement, automatiquement. Après, si vraiment ça ne va pas, c'est que vous avez un problème, vous avez fait une mauvaise manipulation. Voilà, donc là, ça se peut qu'il redevienne jaune, donc il va un peu nous embêter, celui-là. Ne vous inquiétez pas, je vais arranger ça. Vous n'avez pas à vous en faire. Donc, excusez-moi pour les petits bruits, parce que comme je vous l'ai dit, je suis sur Abo. Enfin, je ne suis pas tout à fait sur Abo, je suis sur un autre rétro en machine. Donc, vous avez le lien dans la description. Je suis responsable des recrutements. Donc, voilà. Donc, pour celui qui était jaune, qui nous faisait chier, vous faites clic droit dessus et puis vous mettez régénérer. Donc, comme vous avez fait avec les autres. Donc, là, vous faites pareil avec ceux-là. Donc, voilà. Attendez que ça charge. Je sais, c'est chiant. C'est pas de ma faute. C'est pas moi qui ai créé Radio Nobi. Voilà. Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Un peu mal à la gorge. On va attendre, c'est chiant. Excusez-moi pour l'attente, hein. J'aurais dû couper, mais bon. Vous voyez, il y en a toujours un qui vous fera chier à devenir, excusez-moi de parler comme ça, mais qui viendra un jour. Ça, il faut pas vous en faire. On va s'en débarrasser. Donc, ouais, mais normalement, la plupart devient. Si vraiment après ça devient tout le temps jaune, c'est qu'il y a un coup. Je vous le dis, c'est que vous avez fait une très mauvaise manipulation, donc c'est pas normal. Voilà, ensuite, donc, vous faites pareil tout. Voilà, normalement il devient bleu. Voilà, et dès que ça met, votre planning a été correctement généré, vous cliquez en bas à droite sur Envoi du planning. Voilà. Et pendant que le planning est en train de s'envoyer, vous pouvez envoyer des musiques de votre PC. Donc, par exemple, j'envoie une musique de Michael Jackson, This Is It. Vous cliquez en bas sur Gestion de fichiers. Ensuite, vous laissez guider. Voilà. Normalement, vous ne devez pas avoir de problème là-dedans. Enfin,
Moi, personnellement, quand j'ai appris à créer Radio Crayonomie, j'ai pas eu trop de problèmes. Voilà, je vous le dis. Donc, je fais ce tuto en priorité pour un gars, Benji, donc, qui m'avait demandé. Donc, voilà. Et ensuite, pour voir où ça en est, normalement, vous cliquez sur un nouveau cours et puis bah, bref, en même temps, vous pouvez l'écouter, etc. Voilà, donc là, mon planning est toujours en train de s'envoyer. Voilà, votre planning m'a été correctement envoyé. Voilà, vous cliquez sur OK. Attendez, c'est un peu long, c'est souvent un bug comme ça. Voilà, et ça devient vert, donc là, tout s'est bien passé, c'est impeccable. Ensuite, pour écouter votre radio, alors là, par contre, voilà, vous vous déconnectez, vous vous reconnectez. Voilà. Vous pourrez fermer le Radio Manager, c'est après, c'est fini. Donc, vous vous déconnectez carrément de Radionomie, complètement. Ensuite, vous vous reconnectez, vous cliquez sur ma radio. Non, attendez. Si, voilà. Et là, vous voyez, c'est écrit, c'est plus écrit inactif. Voilà. Donc, voilà, c'est que votre radio est parfaite. Ensuite, pour l'écouter, vous allez dans, voilà, sur votre nom là-haut, ou avec la petite case, vous mettez écouter. Normalement, il n'y a aucun problème là-dessus, vous devez l'entendre. Patientez 5-6 secondes quand même, parce que c'est la première fois que votre radio démarre, donc ça peut mettre jusqu'à 5 à 15 secondes seulement. Là, c'est pas énorme. Ensuite, vous pouvez créer un site web. Pareil, je vous ferai un petit tuto spécial. Voilà. Bon, bah, c'est tout. Dans ma prochaine vidéo, ce sera. Je ferai un petit tuto pour que vous puissiez intégrer votre radio sur un autre site. Donc, ça veut dire que, genre, ça pourra être moi, youtubesradio.fr. Donc, je ferai un tuto. Et pareil pour le live. Je vous ferai un tuto après. Allez, salut, et puis bah à la prochaine vidéo.